Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des Jeux du Cygne. Cette fois, le jeu, ce sera Akimbot, qui est un jeu d'action-aventure qui se passe dans un monde avec des robots futuristes. Il a été développé par Evil Raptor et édité par Playon, mais la clé nous a été donnée par Deep Silver. Oui, c'est à n'y rien comprendre, mais c'est comme ça. Le jeu vaut 17,99€. Il est en français, texte et apparemment les voix dans les cinématiques. C'est bien précisé. On va voir ça solo, jouable à la manette ou au clavier souris. Et on va tout de suite se lancer. Pourquoi il n'y a pas l'image du jeu? Le jeu, il va apparaître sous vos yeux ébahis tout de suite. Voilà. Si on va ici dans langue, il est bien noté langue audio des cinématiques français. Alors je sais pas si en dehors des cinématiques on aura de l'anglais, mais c'est bien précisé. Et on va y jouer à la manette, hein, ce genre de jeu. Ça se joue un peu plus à la manette. Alors moi quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à Jack and Dexter. Voilà, j'en ai absolument pas entendu parler, sauf quand je me suis un peu baladé sur les internets. J'ai demandé le jour même à au signe noir s'il pouvait m'avoir une clé. Il l'a eu et donc on se lance directement là-dedans. Je n'y ai jamais joué, c'est parti. Oula. Appuyez sur une touche. J'ai pas envie. Voilà, fin du let's play. Alors, est-ce qu'on va faire un let's play? Je ne sais pas. On verra. Est-ce que le AK aura le temps? Il y a un autre let's play qui doit arriver dans pas longtemps normalement. Je sais que ça a l'air compliqué, mais suis mon plan et on sera chez nous en un rien de temps. Compris? Eh oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Tu as bien écouté mon super plan d'évasion, au moins? Oui, oui. Oh, c'est pas vrai. Bon, je recommence. Moi, c'est Chipset. Et toi, t'as un nom? D'accord. Tu veux jouer? Faudra surtout pas venir te plaindre quand je serai sorti d'ici. Et pas toi! Et si j'arrive à nous faire sortir tous les deux, eh bien tu me devras la vie, rien que ça. Observe et apprends, petit bot. Ouh! Monsieur le chauffeur! Ferme-la, drone. Mais c'est important! Je t'ai aidé à la fermer, tas de ferraille. Je peux faire ça toute la journée! Au nom d'une puce! Quoi? Ah, vous m'écoutez enfin. C'est que... depuis que vous m'avez collé ici avec Captain Sourire, 10. Je ne me sens pas bien du tout. 9. Vous n'oseriez tout de même pas ignorer les responsabilités 8. Que vous imposent les conventions de l'algorithme. 7. Mais qu'est-ce que... Je sais que les mafieux ont un rapport particulier avec les règles. 6. Mais quand même. Et la politesse. Et le respect. 5. La dernière fois qu'on m'a kidnappé... 4. Au moins j'avais un... 3, 2, 1, à terre. Hein? Ça a été rapide pour le 3-2-1. Ok. Maquet, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y aura de la conduite de véhicules, hein, voiture, char, avion... Il y aura du saut, des explosions, du tir au laser. C'est ça que nous on veut voir. Moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Heureusement que je suis malin pour deux. Alors, tu vas enfin me dire ton nom ou je continue à t'appeler Captain Sourire? Oh, excellent. Oui, c'est banal. Je n'aurais pas dû demander. Bon, excès. Maintenant que je t'ai sauvé la vie, tu dois m'accorder une faveur. Fais-moi quitter cet endroit! Même pas en rêve. Grâce à toi, la mafia va vouloir mon chrome. Je préfère laisser me fondre les circuits que de faire équipe avec un drone qui a les fils qui se touchent. Oh, allez! Tu le regretteras pas. Tu veux quitter cette planète, pas vrai? Je peux me procurer un vaisseau. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu peux me faire quitter de ta baie. Quoi, t'as un vaisseau prêt à décoller? Oui, bien sûr, j'en ai un qui n'attend que nous.
juste là, sur la plateforme derrière les quais. Bah très bien. D'accord. Mais à une condition. On se sépare dès qu'on aura quitté l'orbite de Data Bay. Je veux plus te voir, plus t'entendre, ni même penser à toi. Compris ? Bon, d'accord. Avec un comportement pareil, tu ne risques pas de me manquer. Allons-y. Alors, voyons voir un peu à quelle sauce on va être mangé. C'est joli, hein. Ça tourne bien, le sang ça doit être ma vie, je suppose. Ah, j'ai un double saut dès le début du jeu. Est-ce que j'ai un triple saut ? Non. D'accord, j'ai une épée. J'ai une attaque légère. Hein. Ça, cette touche, elle sert à rien. J'ai une esquive, apparemment. Ok. Alors, est-ce que je peux sauter, esquiver ? Je peux sauter, esquiver, double sauter. Ok. Double sauter, esquiver, je peux. Je peux pas faire d'autres esquives en l'air. D'accord. Donc, si on saute, esquive, il faut garder un saut pour pouvoir revenir ou changer de trajectoire. Les 4 touches là, elles servent à rien. Ces 4 touches là, elles servent à rien. On peut changer la caméra, ok. Et la réinitialiser, ok. On est parti. Trouver un vaisseau pour fuir. Bon, où est-ce qu'on va ? On va tout droit. Par quel autre chemin pourrions-nous aller ? Oh, je te déteste déjà. Ok, corps à corps. Oui. Pourquoi, il y a déjà des ennemis ? Oui, non, on me dit juste... Ah si, on me dit de casser ses caisses, c'est ça ? Oh, c'est quoi ces petites boules ? C'est de l'argent ? J'ai 9 petites boules bleues. Alors, raconte, comment tu t'es retrouvé capturé par les mafieux ? Tu perds ton temps, drone. On va pas être copains. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Il y a des dégâts de chute ? Apparemment, non. On peut pas tout casser. Oh ! Moi j'ai fait ça. J'utilise la même attaque que d'habitude. Pourquoi j'ai d'autres... Hein ? Moi j'ai... Je sais pas pourquoi des fois j'ai des attaques différentes. Faudra qu'on m'explique. À un moment. On avance. C'est quoi ce truc vert là-bas ? On va aller le chercher. Mais avant on va récupérer le loot. Ah c'est un ennemi ? D'accord, c'était un ennemi. Il devait rendre de la vie. Ok. Ah c'était peut-être un genre un medipack. Déposé là par terre. Alors est-ce qu'ils font beaucoup de dégâts ? On va voir. Ah ils attaquent pas, d'accord. On sait toujours pas à quoi sert cet argent. Cette monnaie. Double saut, ok. Donc pour le moment on nous apprend les touches, le tuto. Ah ah, vous croyez que j'allais pas voir ces petites caisses ? Allez, hop, hop. Bon, apparemment, ça sert à rien. Est-ce qu'on a une attaque sautée ? Qu'est-ce que tu fais ? On peut taper les gens et les gens ne nous en veulent pas de les taper. Tu es plutôt une bonne chose, je pense qu'on peut pas les tuer. Alors, question con, hein. Aïe ! Ah oui ! Ça fait mal d'aller dans l'eau. Je pense qu'on devait explorer ça avant le village. Ces nobles citoyens de Data Bay. Ils pêchent, se reposent et profitent de la vie. Bande de vénards. C'est moi qui devrais me la couler douce, pas ces imbéciles. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Si t'as rien d'important à dire, tais-toi. Hé ! Quand on a un wiki intégré aussi vaste que le mien, tout peut être important. Ah, mais ça rend toute la vie, apparemment. Au moins plus de 50, au moins 52%. Un ennemi. Ok, il y a l'air d'avoir une sorte de ciblage automatique. Ok. Bon, pour le moment, ça va.
Donc vous savez que les jeux de plateforme, c'est ma grande spécialité. Ah, je suppose que si je touche ce bouclier, j'en prends plein le cul. Et si je suis dedans? Ok. Être dedans, j'en prenais plein le cul aussi. Très bien. Vous pouvez s'en douter, hein, ça faisait des éclairs. Bon, il fallait tester. Ok. Pour le moment... C'est bon, je me tais. On est... mon vieux. Pour le moment, on n'est pas sur le jeu le plus difficile de l'univers. Mais c'est le tuto, c'est le premier niveau. Excusez, qu'est-ce que tu prends? Bah écoute, il était devant. Aïe. Elle est short un peu le timing là. Tiens, par exemple, sur ce marché, on vend du fluide réfrigérant, des pièces détachées et toutes sortes d'excellents produits. Ouais, ajoute ça au dossier info inutile à classer. Quel rabat-joie! C'est quoi ça? Découverte Didgeribot. Bien moi, je peux vous dire que cette planète, c'est rien qu'un serveur géant du gouvernement. Qui sert à planquer leurs vilains secrets. Et puis les gens, bah c'est rien que des leurs. Oui monsieur, ok, donc c'est du lore. On va pas lire ça, on va pas perdre de temps. Parce que bon, on fait pas des, non plus des vidéos de 5 heures sur cette chaîne. Moi j'aime bien, pour le moment j'aime bien, c'est agréable. Aïe, on est pris plein le cul je crois. Pour le moment ça va. Parce que la plateforme c'est pas encore trop compliqué là pour le moment. Mais alors quand il va commencer à avoir de la plateforme et du rythme... Aïe. Là ça va commencer à devenir rigolo. Vous savez que je suis très nul en platforming et très nul en rythme. Hijack. The dance floor. Hop. Oui d'accord, donc par là c'est la suite. Ah mais il n'y a pas le choix, d'accord. J'espère que c'est pas démonétisé. Alors, oui. Un truc que je vous ai pas montré. C'est que au niveau de la musique, voilà. On est à 1. Voilà, donc pour vous dire à quel point la musique est très forte dans le jeu. Tiens, je parie que tu ne sais pas à quoi servent ces tuyaux bleus. À pomper de l'eau pour refroidir ses banques de mémoire. C'est l'un des plus célèbres pièges à touristes de cette planète. Ah, je te préférais quand tu étais muet. Mais c'est toi qui as demandé qu'on parle. Ok. Allez. Ah, on peut s'agripper. Je ne le savais pas. Donc on a failli en prendre plein le cul pour rien. Mais on peut s'agripper également. Très bien. Bah écoute, on va aller là. Hein. Il y a intérêt à venir ici, oui. Il y a un petit peu de caisse ici à casser. Ah, c'est peut-être quand il peut sauter automatiquement, il fait d'autres mouvements. Je comprends pas encore les, pourquoi des fois j'ai d'autres attaques. Mais si c'est en fonction de l'environnement, ça peut être très chiant. Suivant de comment l'environnement est calculé. Ça valait le coup de se prendre un coup. Pour l'argent, ça vaut toujours de prendre des coups. Okay.
Alors ce que j'aime bien, alors on aime ou on aime pas, c'est que notre barre de vie elle reste sur tout le temps affiché. Après, souvent dans ces jeux-là, il n'y a pas de barre de vie. C'est genre un hit, deux hits et tu meurs. Mais bon. Mais ils font la fête partout ici. Ça doit pas beaucoup bosser hein, dans ces villages-là. Oui, si c'est un adrap touriste, comme il l'a dit. Alors, depuis qu'on commence à apprendre à se connaître... N'y compte pas. Je suis Chipset. J'ai été conçu pour administrer les systèmes de la banque centrale de Data Bay. Mais faire de la compta toute la journée, c'était si long. Alors j'ai passé des mois à concevoir un plan pour démissionner et au passage, empocher tous les bitcoins de la banque. Et ça a marché. Enfin, presque. Ah merde. Quelle partie de ton baratin est censée m'intéresser? Voilà, ok, ça commence à déjà se complexifier, hein. Pour moi, en termes de... C'est pas grave, on pouvait y aller comme ça. Hein. C'est là qu'on voit que je suis très très fort dans les jeux de plateforme. Ça, c'est de la plateforme pour les bébés, mais il n'y arrive pas. Il y a un truc par là. Il me reste 20 PV. Très bien. Heureusement que c'est le tuto et qu'il y a de la vie partout. Hein. Merde, il y a deux chemins. Lequel n'est pas la suite du niveau ? Ok. Ça, ça a pas l'air d'être la suite. Piraté. Ah. Alors là, il y a quoi? Pas grave, ça passe. Ah, c'est pour une donnée, ok. Donc ça, c'était pas la suite. Ok. Attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. J'ai pas vu quand est-ce qu'il sauvegardait l'icône de sauvegarde. Je ne l'ai pas vu. Je suppose qu'il y a une sauvegarde automatique dans le jeu. Comme dans 99% des jeux modernes. Bon, au moins on aura fini le tuto sans mourir. Avec 2 PV, mais sans mourir. C'est déjà pas mal. Snake, est-ce que c'est une... Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? À la gueule! Je dois vraiment jouer! Ah merde! J'avais pas compris que je devais jouer. Oui, ok. On a les deux parties, ok. Donc ça sauvegarde après. Quoi? Quoi? C'est pas le même jeu! Licker. Ah. Ah. Allez, que... Il y a des mini-jeux! Oh là 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 là, ça va être horrible! Tu es un pirate? Mais tu as l'air tellement low-tech! T'étais pas sorti d'usine, j'étais déjà un professionnel. J'espère pour toi que tu disais vrai au sujet du vaisseau. Comment? Moi? Mentir? Non, jamais! Non, pas avec un partenaire comme toi! Concentre-toi. On est en plein territoire Roboglioni. Bon, allez, j'avoue. Je suis curieux. Qui es-tu vraiment, Exé? Non. Oh, zut!
J'ai subitement oublié où se trouve notre vaisseau. Je suis mercenaire, ok? Combattre, pirater, traquer... C'est ça ma vie. Du moins ça l'était. Je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. L'algorithme a mis ma tête à prix. Je suis en cavale. Les robots Glioni ont appris que je me trouvais sur Data Bay. Ils m'ont enlevé pour empocher la prime. Eh bien, on s'est retrouvés dans le même véhicule. Quelle chance, non? Mais quand même, depuis quand les mafieux se la jouent chasseurs de primes? Quand on parle du loup, robot Glioni droit devant. Prépare-toi à te battre. Ok. Ah oui, d'accord. Ils sont plus difficiles à tuer déjà. Je t'avais pas vu toi. Wow, ils sont plusieurs. Ok, pour le moment, ça va. Ok. Il y a encore des soins, on peut repasser par là. Approchez les guignols. On peut s'agripper à ça? Non. Donc on pourrait pas s'accrocher là. Là il y a des soins. On va pas les prendre. Ah, déjà qui? Je sais pas si lui avait bugué, mais... Mince. Un autre bateau à pirater. Ça va nous servir à un moment, cet argent. Croyez-moi. Hop. Snake. Merci pour le coup de main, Exé. Quel talent. Tu passes ton temps à crier. Hé, hey, j'aurais pu tous les battre si j'avais voulu. Je voulais simplement évaluer tes capacités. Mmh. Tu peux nous donner un canon laser ou je ne sais quoi? Alors, je sais qu'il y aura des armes dans le jeu. Toujours plus de malfaits. Mon plan fonctionne. C'est pas le bon plan. Note à soi-même, plonger dans 4 ennemis, c'est pas le bon plan parce que tu es one shot pas encore. Oui, je dis pas encore parce qu'on aura certainement des améliorations d'armes. Marrant qu'il y avait... Il y a eu un petit glitch là. Ah non, ici il l'a pu. Alors, à savoir que, comme je l'ai dit, le jeu est sur PC, vous le voyez, mais surtout, il y a une démo. C'était surtout ça que je voulais vous dire, si jamais vous voulez l'essayer, parce que je sais qu'au niveau de la maniabilité, mais franchement, la maniabilité, là, ça va. Encore du Snake. Quel talent. Bon, au moins, il y a des mini-jeux. Déjà pas si mal. Et il n'y a rien à aller faire là-bas. Je sais pas pourquoi il y a ça. Pourquoi ils ont mis une plateforme là toute seule? Je ne sais pas. Hop. Ah! Donc comme je disais, la maniabilité ça va. Pour le moment. Voilà. Chopez-moi cet tas de ferraille. C'est qui celui-là? Et surtout, le jeu est en français. C'est pas que pendant les cinématiques, hein, c'est tout le temps le français. Ah mais ils apparaissent, d'accord. Ok, c'est quoi, ça fait quoi si je vais dans le rouge là? Rien. Prends l'argent, excusez-moi. Il
Il n'y a pas de coup concentré pour le moment non plus. Ok, il y a lui. Ah, oh, il y a un flingue, attention. On l'a vu. Wow. C'est lui qui a un flingue. De bon à rien. Pas fichu d'attraper de petits robots. Ok. J'ai pas de flingue, moi. Hein? T'as trouvé ça où? Oh, ça? Ça traînait par terre à côté d'un mafieux assommé. Donne-le-moi. Hey! Yes. C'était mon flingue! Yes, on a le flingue. Équipez le fusil d'assaut. Je sais comment traverser. Comment tire? Il n'y a pas de munitions, mais oui! C'est de la chaleur! Et il n'y a pas de distance! Ah! Excellent ça! Plus il surchauffe, plus notre vitesse de tir diminue. Ah, j'avais juste envie de voir ce que ça fait quand on l'overheat. Ok, ça fait rien. Ça n'explose pas, on perd pas de vie. Très bien. Moi, j'aime beaucoup pour le moment. Hein. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres armes. Et on a... Wow. Personne n'échappe au pas apparemment de... Mais vous êtes qui, vous? Apparemment, on n'a pas non plus de... ciblage auto. Avec les armes de tir. Parce que ça va encore être du Snake. Ticker. Quel talent. Il n'y a pas l'air d'avoir de dispersion quand on se déplace ou quand on saute. C'était au millimètre près. Vous voilà. Où est-ce que vous pensiez aller? Je compte pas laisser tout ce pognon m'échapper. Vous êtes recherché mort ou vif. Et croyez-moi, il n'y a pas de prix. Ah si, il y a peut-être un petit... J'ai l'impression que la caméra elle se tourne quand même un peu vers les cibles. Donc c'est pas une visée auto, ça a l'air d'être une visée assistée. Mais très légère. Pourquoi j'irai là? Je ne sais pas. On peut abattre les oiseaux? Faut pas tuer les mouettes. Ok. Ok, je veux voir. Ah oui, d'accord, on peut récupérer la vie de loin. Très bien. Ah, mais l'argent aussi, apparemment. Très bien. Juste essayer. Ah oui, on récupère l'argent de loin. Bah voilà, on n'a pas besoin d'aller sur l'argent. Je croyais qu'on devait y aller, moi. Mais non. Ah, c'est vraiment pas fait pour aller tuer au tir. Hein. Dégage. Ok. Pas le tuer, Case. Attention, une tourelle! Wow. Mince, je voulais pas récupérer la vie. Ok, je l'ai eu.
Quel talent. Oh non! Ils sont en alerte maximale! Ouais, c'est ça. J'ai comme un mauvais pressentiment. Voilà. C'est pas en beuglant. Ils détectent quand même les ennemis. Ils détectent quand même les ennemis avec la caméra. On peut casser ça ou pas? Ouais, donc on a une petite visée assistée quand même. Parce que quand la caméra tournait, c'était pas moi qui la tournais, hein. C'était bien le jeu. C'est-à-dire que là, là c'est pas moi qui tourne la caméra. Moi, là je la pousse à gauche. Là je la pousse à gauche, mais elle revient toute seule à droite. Ok. Aïe. Oh, 3 PV, ça va. Alors en fait, ça vous met pas le viseur vraiment dessus, hein. Ça vous met, ça vous oriente vers l'ennemi, mais ça vous met pas non plus le curseur en mode vas-y tire là. Hein. Il y a aussi un Jackie qui tire de très loin là-bas. Ok. Là, il y a un truc ici. Ah, mais c'est une cache de données. Quel talent! Ah, d'accord, c'est pour après. Fais-moi de la vie, toi. Il ne manquait pas grand-chose, mais... Ah non, d'accord. C'est pour aller là. Mm-hmm. Ok, bah quand je les vois, je les prends, mais ça va pas être un objectif pour moi. Je ne suis pas non plus... un chercheur de trophées et de collectibles. Ça ne m'intéresse toujours que très peu. J'ai toujours dit, je dirais toujours que c'est un petit peu du contenu ajouté artificiellement. Mais bon, c'était mon point de vue. Vous pouvez évidemment en avoir un autre. Ça passe là? Ah ouais. Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Eh hey, Marqué! Ne pensez pas à me lever! Eh hey, Marqué! Moi j'aime bien, c'est que. Alors. Oui, c'est stéréotypé, mais c'est assumé quoi. Je veux dire, ça c'est cool. Quand un jeu qui assume des choses. Et c'est pas une énième refonte d'un jeu, un remake ou je ne sais quoi. C'est un nouveau jeu avec une nouvelle, sur une nouvelle licence, des nouveaux héros. C'est bien aussi. Quand les grands ne font que des remakes, les petits osent encore. Alors oui, on va me dire oui, ça révolutionne pas le genre. Oui, mais on ne demande pas de révolutionner le genre. On demande de nouvelles histoires, avec des nouveaux persos, des trucs inédits. C'est ça nous qu'on veut. Aïe, je veux pas me faire le 28ème... je veux pas me faire la Resident Evil 3 remake, le 28ème remake quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il révolutionne pas le genre. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net que si vous voulez révolutionner le genre du action platforming et tout, c'est pas ce jeu-là. C'est quoi ce truc-là? Un chopu! Nice! On peut passer les cinématiques avec A d'ailleurs. Bonjour, cher client. Faites vous en quête de beaux et précieux objets? Ne cherchez plus! Tous nos articles ouvrent droit à une déduction fiscale! Déduction fiscale? Dites-moi tout! Ce sont des escrocs, Chipset. Ne fais pas avoir. Alors, que souhaitez-vous acheter? Que diriez-vous d'un extracteur d'huile tout neuf, mais un tout petit peu utilisé? Pour 10 achetés, le 11e est offert! Flacon et bouchon métallique vendus séparément, garantie limitée à 1 heure. Attendez, c'est du drop space shipping. On en trouve gratuitement sur Buty Express.
douille. Lol. C'est un vrai pro. Qu'est-ce qu'on fait? Et si vous vendiez des objets utiles? Des armes, peut-être? Des grenades? Oh, mais oui! Et si vous avez des armes, nous pouvons les améliorer. Nous sommes des techniciens avant tout. Je... Ah. N'en ai pas sur moi. Vous correspondez donc parfaitement au type de client que nous recherchons. Découvrez... Notre offre de bienvenue exclusive. Une arme offerte gratuitement à notre tout premier et présentement unique client. Et si notre cadeau vous plaît, n'hésitez pas à revenir. Nous attendons votre prochaine visite. Lol. Le dropshipping. Marché noir, des outils surpuissants pour la ferraille, j'ai 417 balles. Arme double, deux armes, deux fois plus de dégâts. Lance acide, projette un acide laseri. Balance un gros laser. Nanoturbine, projette des nanoturbines dévastatrices. Et maquette de flingue. 1000 balles. Mais lesquelles? Et je vais prendre le laser. Allez, c'est parti. Alors, dégainer une arme spéciale dans les situations tendues. Tirer consomme de l'énergie en guise de munitions. Donner de l'énergie en faisant sauter des ennemis. Ok, donc là j'ai mon laser. Ah, c'était ou le laser ou les doubles flingues? Ah non! Ah, d'accord! Ok... Ah, j'avais pas compris. D'accord. Bon, on va prendre le gros laser. Hein. Et c'est quoi, c'est... Ah oui, d'accord. C'est tirer tir normal. D'accord. Et j'ai pas de... Non, d'accord. Donc là, j'ai équipé le laser jusqu'au prochain magasin. D'accord. Ok. Ok, j'ai compris. Piraté. Le snack. Où est ce maudit vaisseau? Ces types vont pas tarder à péter un fusible. Fais-moi confiance, Exé. Suis le plan. Ah, protège-moi, Exé. Ah oui, d'accord. J'ai vu. Ça consomme quand même le gros laser. Ok. Eh mais les tourelles donnent pas de, d'énergie ? Oh, c'est pas considéré comme des ennemis. Oh, intéressant. Oh ouais ! On fait une super équipe ! Ces tourelles n'avaient aucune chance. Toujours aussi totalement inutile. Ok. Tirail shooter. Tire dessus. Aïe. Ils ont dû placer ce bateau ici pour nous tendre une embuscade. Comment tu sais ça? Parce que c'est ce que j'aurais fait. Enfin, piège ou pas piège, ils n'ont aucune chance face à moi. Tu veux les affronter tout seul? Fais-toi plaisir. Mais non, ne dis pas de bêtises. Je m'en voudrais d'accaparer toute la gloire. Il y a une stance de visée. Bande d'imbéciles! Activez la tourelle, les gamins! La tourelle quoi? Oula! C'était ce machin, c'est ça? Ok, ça sonne quand ça tire. Cette planète est à moi, robot! Vous êtes sur mon territoire! Et les intrus qui ont...
aucune chance. Si, rien, ça passe. Non, ça, ça va. Quel con. Fuyez tant que vous voulez, et vous retrouverez. D'ailleurs, je savais qu'elle allait tirer et je suis quand même sorti. On peut casser ça. On va attendre le prochain tir, malheureusement. Ah oui, d'accord. Elle te touche automatique. On doit se tirer d'ici et vite. C'est soit les brutes, soit un dreadful canon. Qu'est-ce qu'on fait? Je préfère eux, tu vois. Peut-être qu'au niveau des armes secondaires et des armes spéciales, il y en a une entre guillemets pour l'infanterie, une pour les boss ou des trucs comme ça. J'ai pas lu les améliorations d'ailleurs. On regardera ça au prochain shop. Il y en a peut-être d'autres, hein, je ne sais pas. Vous voilà! Il faut jamais déléguer à des crétins le boulot du parrain. Je vais vous arracher les circuits. Ok. C'est lui leur chef. C'est le plus gros tas de rouille que j'ai jamais vu. Ferme-la. J'essaie de me concentrer. Chopez-les, les gars. Ça a pas l'air d'être localisé au niveau des dégâts. Il y a quand même beaucoup de vie dans le jeu. Parce que là on est sur une arène de boss et on a vu qu'il y avait de la vie. Ok, on te donne des ennemis à tuer pour pouvoir recharger. J'avais pas vu que j'allais me faire que je me faisais bourrer comme ça. Ce bouclier, tu sais quoi faire, Xé? C'est lui. Ok. Aïe. En tout cas, il a pris cher quand j'utilisais mon gros laser. Le problème du laser, c'est que pour te déplacer, c'est un peu compliqué. Même vos circuits. Écoutez ça. Votre mort ne sera que plus douloureuse. Ok, liqueur. Arrêtez-vous! Il ne peut pas viser si vous bougez! Je vois rien. Je vois rien. C'est bon, j'ai eu. Il y aurait votre trône pour ça!
Ça y est, mon ticket pour quitter cette planète de cinglés. Notre accord tient plus, Chipset. Allez, adieu. Oh, arrête! On fait une bonne équipe, non? Imagine un peu toutes les aventures que l'univers nous réserve. Toi et moi, Exé, deux héros prêts à entrer dans la légende. On se souviendra de nous comme de... Ça s'est mal passé apparemment. Oula. C'est vous, Exé? Rendez-vous au point Echo si vous voulez quitter cette planète en vie. L'ambassadeur vous attend là-bas. Un soldat de l'algorithme. Que faites-vous ici? Data Bay est attaquée. L'ambassadeur souhaite que vous nous aidiez à affronter la menace. Rendez-vous au point Echo. Nous vous ouvrirons la voie. Et pourquoi j'obéirai, au juste? Faites ce que vous voulez. Mais à ce rythme, Data Bay sera bientôt rasé. Et le point Echo est le seul site d'extraction. Bon, d'accord. Si l'ambassadeur veut me voir, il me verra. Ok. La planète est attaquée? Par qui? Et pourquoi l'algorithme aurait besoin de ton aide? Et qui est... Oh, arrête avec tes questions. J'en sais pas plus que toi. Ok. Ils nous attaquent pas si on leur, leur tape dessus. Non, on veut des vaisseaux, on veut conduire des vaisseaux. Oh, des lasers. En vrai, ça c'est plus simple à éviter que les boucliers d'énergie là. Tu me suis ou quoi? Je te l'ai dit, notre accord tient plus. J'ignore qui sont ces types, mais ils sont pas là pour rigoler. Tu vas m'aider à me barrer d'ici. Aïe. C'est que ça fait mal le feu, même à un robot. C'est le bordel. On est recherché par la mafia des robots quand même. Très, très bien visé. Ok. On avance automatiquement là-dessus. Oh! Par contre, il faut se diriger quand on saute. Si on arrive au bout. D'accord, il saute tout seul. Des nouveaux ennemis. C'est qui ces déboulonnés? Je les ai encore jamais vus. Aucune idée. Je ne compte pas me laisser faire. Il est où? Aïe. Il
Moi, oui, il prend un peu plus mal quand il nous touche. Ah oui. Ok, ouais, ils font un peu plus mal quand ils nous touchent. Aïe! Aïe, ils peuvent se TP! D'accord. Pourquoi j'ai eu un... Stop motion? Des robots requins ? On est poursuivi par un banc de poissons ! Je ne sais pas. Le Snake. Très bien. Bravo. Tout va bien. Alors on doit refaire le combat ? Non, ça va. L'ambassadeur ? Ça va en tout cas. Puissant de tout l'algorithme peut bien tout vouloir à toi. J'en sais rien, mais je dois occuper une place de choix dans leur liste de robots recherchés. Hé, hey, mais moi aussi. Enfin, je suppose. Mais quand même, qu'est-ce qui te vaut une invitation personnelle? En tous les cas, je peux pas vraiment refuser. Wouhou, quel talent! C'est évidemment calculé. Ah. Ok. Dites, c'est quoi ce gros truc là-bas? On dirait une sorte d'hologramme. On va pas tarder à découvrir. Wouhou, il y a des mecs, plus ça à éviter. C'est bon ? Il y a de l'argent, le mec là. Ouais. Meurs. On va utiliser ce canon. Ok. Wow. Ils ont de l'aviation. Du calme. Je suis en face. Est-ce qu'on peut discuter? Yeah. Mais c'est plus le même là. Aïe. Ça devient un petit peu plus exigeant. Mais bon bonjour à armes égales, pas avec des rayons mortels. Ok.
bien, c'est que les objets destructibles sont notifiés par une aura. Punaise. Ça devient compliqué là. Il faut que je repasse tout le chemin. Ouais. Ils auraient pu mettre un checkpoint. Hein. Mais ils avaient peut-être pas l'argent. Il y avait de la vie là, je l'ai pas vu. Ok. Bah, c'est sûr que si tu vois la vie, ça va peut-être aller mieux. Mais quand on joue à armes égales, pas avec des rayons mortels. Je vais chercher mon argent. Le chapu. Bonjour. Besoin d'une crosse à selfie pour immortaliser vos exploits? Ça ne vous coûtera que la moitié de vos économies. Vous êtes là pour acheter ou pour nous encrasser? Ne les écoutez pas. Laissez-moi plutôt améliorer votre arme. Pas mal ça. Bon, on va acheter les deux autres. Voilà. Option drone activé. On rajoute des dégâts sur la durée. Vas-y, on va prendre ça. Ok. Le clicker. Continuez. C'est le talent. Cette planète en cendres, déchaînez-vous jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Continuez tant que je n'aurai pas eu ce que je suis venu chercher. Obliquerez chaque grain d'herbe, chaque grain de sable, chaque cachette potentielle pour ces pathétiques imbéciles. Qu'ils mentent, trichent et volent tant qu'ils veulent. Mais plus jamais, ils ne me tourneront en ridicule. Ratissez chaque recoin de cette planète. Les secrets de Data Bay seront bientôt à moi. Ma victoire est inéluctable. Nul ne peut m'arrêter. Je réduirai cette planète en poussière et réclamerai mon dû. Mais qui c'est, ce type? C'est bien la première fois qu'un aquarium sur pattes me fait flipper comme ça. De toute façon, je compte pas m'attarder pour faire connaissance. Et... Ok. Bobby! Ils ont eu Bobby! Les salauds! Ça va. Il m'a remis bien alors que j'étais passé à travers. Non, dans l'autre sens. Pourquoi il a été par là? Je sais pas. Mauvais. Okay. Aïe aïe. Thank you.
Ok. Ils sont combien? Y'a quoi par là? Toute résistance est inutile. Nul ne peut s'opposer au pourrou de l'armée des abysses. Donnez-moi ce que je suis venu chercher et j'abrégerai vos souffrances. Pas du tout le même chemin, si ? Je sais pas. Exé, ça se présente mal. Nos artilleurs se font descendre l'un après l'autre. Non, 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 non. On doit atteindre le point Ico. On est touché. Je répète, on est touché. Si ça continue, Exé, le point Ico n'existera plus quand vous y arriverez. Ah, est-ce qu'on va pouvoir piloter un vaisseau? On a besoin de votre aide! Vite! Notre canon anti-aérien est juste là! Tu parles d'une armée! Ces vidas ne savent même pas se défendre! Cool! Donc on va avoir un autre type de gameplay. Ah, tu sais ce qu'il y a, ce truc? Je te l'ai dit, je suis un professionnel. Ok, Ron-Bot. On va voir si tu arrives à me protéger. J'ai fait peur à l'arbre, moi, mesdames et messieurs. Nom d'une pute! D'où est-ce qu'ils sortent de toutes ces maisons? J'en ai battu des Japonais. C'est la pire évasion de l'histoire! On n'arrive pas à l'avoir. Il y en a qui sont passés! Oui, d'accord. Ah ouais. Et vous faites quoi, vous, pendant que moi je fais tout ça? C'est ça la question. Tu sais utiliser ce truc? Je te l'ai dit, je suis un professionnel. Ok, Robot. On va voir si tu arrives à me protéger. Aviation, elle est où? Sur ta droite! Non! Sur ta gauche! Non! Des deux côtés! Panique pas, Jackie, ça va le faire! Oh oui! Quel talent! Merci pour votre aide, Exé! Mais de rien, cher abruti! Rien de plus normal pour la légende que je suis. J'espère que tout ça en valait la peine.
L'ambassadeur vous attend toujours au point Echo. Au vu de la situation, vous aurez besoin de ça. Oui! Alors ça, j'apprécie. Oh! Une grosse pétoire! Le snipe! On a un snipe! Oh, oui! Non, arrête de mendier! Espèce de radin! Attendez. Oh! On n'a pas vraiment de snipe, on n'a pas de visée en fait. Très bien. Équiper le sniper, c'est fait. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Je vous rappelle que vous avez une démo disponible pour le jeu, que le jeu est disponible sur Steam pour 19,99€. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.